Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, peut-être, je vais vous lire un passage de ceci, peut-être pas. On va voir où mes idées m'entraînent. Hier, je suis allé avec mes trois amis, Michel, Gaston et Antoine. Nous sommes allés à un lancement de livre consacré à Gilles Carle, à la librairie à la galerie de Mélanie Poirier. Un livre donc consacré à Gilles Carle et avec des illustrations de divers peintres et des textes de poètes également. C'était très bien organisé. La galerie est magnifique. La journée était superbe également. Il y avait énormément de gens. Et je dois ici dire que j'ai eu à un moment donné, en écoutant le très beau témoignage d'Alexis Lapointe sur son arrière-grand-oncle, Gilles Carle, j'ai eu un petit moment de mélancolie, doublé d'un moment d'envie. La carrière solaire de cet immense artiste qui a, malgré sa fin de vie tragique, il était atteint du Parkinson. Eh bien, j'ai envié sa carrière. J'ai envié également sa vitalité, sa joie. Et parfois, certains matins, comme aujourd'hui, même si le ciel est bleu, le soleil est haut dans le ciel, triomphant. Il m'arrive d'être pris d'une sorte de spleen. Une sorte de mélancolie très, très destructrice. Parce que je me retourne derrière moi, je regarde dans le rétroviseur de ma propre vie. Et qu'est-ce que j'y constate? Que j'ai toujours été en guerre. J'ai raconté assez brièvement, il y a peu de temps, à une amie les difficultés éprouvées au cours de l'enfance. Et ma bonne mine me trahissant, mon enthousiasme également, ma vitalité, fait que, en fait, personne ne peut songer à quel point tout a été tellement difficile pour moi. Combien j'ai serré les poings, serré les dents, combien cette conception de la vie est une guerre, ça me désole de le dire. Eh bien, j'aimerais que la guerre soit terminée, j'aimerais que la guerre soit derrière moi. Mais de toutes parts, je suis emporté par toutes sortes de choses. Et donc, à cet ami-là, je lui racontais assez succinctement, parce que je ne suis pas sûr qu'elle avait envie d'entendre ça. Je ne suis pas sûr également que j'avais envie de l'accabler avec mes confidences. Mais quand on vient d'un milieu extrêmement dur, comme le mien, extrêmement difficile, où la majorité des enfants sont abusés sexuellement, où la majorité des enfants sont battus par leurs parents, qui vont à l'école en n'ayant pas ce qu'il faut pour manger. Moi, je n'ai pas été battu, je tiens à vous le dire. J'ai mangé à ma faim, toujours. Et j'ai grandi dans un milieu, dans une maison protégée. Protégée par ma mère, ma grand-mère. Mais tout autour de moi, c'était un massacre incroyable. Et sans doute, le complexe du survivant, d'avoir survécu à l'horreur, eh bien, a marqué durablement ma psyché. A laissé des traces indélébiles dont je ne saurais jamais me débarrasser, probablement. Et comme je m'en suis sorti, hein, en tout cas correctement, on va dire, eh bien, la plupart des gens ne veulent tout simplement pas croire que j'ai vécu et connu l'horreur. Et finalement, tout compte fait, puisque je m'en suis sorti, ça ne devait pas être si terrible. Ouais. Il y en a un sur mille qui s'en sort. Eh bien, celui qui s'en sort témoigne qu'au fond, les choses n'étaient pas si terribles.
un sur mille qui échappe à l'enfer. Fait que finalement, l'enfer était plutôt confortable. N'a pas envie d'entendre ça. N'a pas envie d'entendre la misère des pauvres qui s'en sont sortis. Puisque tu t'en es sorti, toi. Ouais, je m'en suis sorti, mais couvert de blessures. Couvert de cicatrices qui parfois se remettent à saigner. Et certaines de mes blessures, je dois changer le pansement tous les jours. Je dois désinfecter la plaie, la nettoyer et reposer un nouveau pansement dessus. Et entouré de merveilles, comme hier, entouré de beauté, entouré de poésie, je songeais combien cela m'avait été difficile, ardu, pénible. De conserver la poésie pour moi. J'aimerais passer à une autre étape. J'aimerais pouvoir me dégager un peu de cette souffrance-là. Et également de cette colère. De cette colère qui est sans cesse vivée par ce que je vois. Oui, donc, hier, partager en la joie, la lumière, la poésie. La beauté de Chloé Sainte-Marie. Ses beaux grands yeux bleus, sa candeur. Elle aussi, c'est une survivante, hein, qui est d'un milieu hyper religieux, milieu janséniste, milieu torture morale. Bien des façons de souffrir. Elle a échappé à ça parce qu'elle a rencontré cet homme, Gilles Carle. Ce cinéaste, ce poète, ce peintre, qui lui a permis de se construire. Elle disait qu'elle l'aimait encore. J'aimerais ça être un homme comme Gilles Carle. J'aimerais me débarrasser un peu des ténèbres qui me collent à la peau. Et d'autant plus que nous vivons maintenant dans l'empire du bien, n'est-ce pas? Où on rencontre sans cesse des gens qui ne feraient pas de mal à une mouche, des gens sans négativité, des gens sans aspérité, des gens certains de bonnes personnes. Je n'ai pas ce sentiment-là d'être une bonne personne, parce que je pense que j'aurais tout fait pour m'en sortir. Je pense que je n'aurais pas hésité peut-être, ou j'aurais hésité, mais enfin, je pense que j'aurais commis des horreurs pour me sortir de ma situation. Et je le confesse ici, je me reconnais dans chaque fou, dans chaque assassin, dans chaque meurtrier, dans chaque tueur de masse. Je me reconnais dans tous les monstres qu'il m'a été donné de croiser dans ma vie. Le monstre que je vois, eh bien, c'est moi également. Alors, j'aimerais faire partie de ces gens-là qui, eux, ne feraient pas de mal à une mouche. Moi, j'ai les mains couvertes de la multitude de mouches que j'ai tuées dans ma vie. Oh, il m'arrive parfois, lorsque je croise une fourmi sur la trottoir, de la ramasser et de la déposer sur le gazon à côté. Mais peut-être je lui ai sauvé la vie pour pas qu'elle se fasse écraser par un piéton, mais peut-être pour mieux se faire dévorer par un oiseau. Ce qu'on sauve d'une main, on le perd de l'autre. Oui, aussi, oui. J'aimerais ça que la guerre arrête. Je sais pas comment. Je sais pas comment l'arrêter. Mon ami Gaétan, mon ami d'enfance, j'ai raconté à un moment donné sur ma page Facebook que justement je n'avais pas été abusé sexuellement. Et mon ami Gaétan, un vieil ami, d'enfance, un ami préhistorique, avait répliqué sur ma page qui est ouverte, qui est publique. Chacun peut la lire, chacun peut s'y balader.
Aisément. Je m'avais répliqué, ben, parle pour toi. Peut-être que ça a été trop dur pour moi de m'en sortir, puis je suis comme une sorte d'handicapé. C'est possible. Je vais quand même vous lire un tout petit passage où Gabriel Matineff parle de son ami Guy Hockenguenem. Gay Hocken. Hockenguenem. On aurait dû aller écouter sur YouTube comment on le prononce. Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Alors oui, les morts du sida à l'âge de 41 ans. Il lui rend visite dans sa dernière petite chambre mortuaire où, où il a déjà disparu dans les limbes du néant. Ah, il nous parle justement de la courte biographie pondue par l'encyclopédie informatique Wikipédia, c'est ce que je vais vous lire. Vous avez l'impression que l'auteur de La colère de l'agneau aura passé sa vie à coller des affiches, à participer à des AG, à lever le poing dans des défilés. Bref, que son principal titre de gloire est son combat en faveur de la pédérastie. Hockenguenem s'est en effet battu pour les causes qu'il croyait justes, et c'est tout à son honneur. Mais le réduire à ses activités politiques et sociales est absurde. On lit dans Ève. Le travail d'écrivain est une besogne solitaire. Cette solitude avec les années, je l'avais élargie. Diffraction d'une onde noire autour de moi à toute ma vie. Pour écrire des essais tels que La beauté du métis, et L'âme atomique, des romans tels que La colère de l'agneau, Frère Angelo. Il faut en effet beaucoup de travail, beaucoup de solitude. N'en déplaise au biographe de Wikipédia, le militant gay Guy Hockenguenem fut d'abord et surtout un artiste. Il y a les écrivains dont les petites cellules grises fonctionnent bien à l'aurore, dans la fraîcheur et la luminosité du matin. Il y a ceux qui ne travaillent que la nuit. Il y a les chastes et les polissons. Il y a ceux qui lèvent le coude. Il y a les abstèmes. Il y a les malades. Il y a ceux qui pètent de santé. Il y a les beaux. Et il y a les laids. Appartenir à telle ou telle de ces catégories A pour un artiste et singulièrement pour un écrivain, son importance. Selon que vous êtes un aventurier ou un pantoufleur, un époux fidèle ou un donjon, un frugal ou une bonne fourchette, un adonis ou un épouvantail, vous ne vivrez pas et donc n'écrirez pas les mêmes choses. Guy Hockenguenem, lui, et c'est là où je voulais en venir, était très beau et les dieux lui ont fait la grâce de rester très beau dans la maladie et jusque dans l'avant-mort. Une beauté physique, charnelle, certes, et ô combien, mais qui n'était pas une trompeuse enveloppe, qui était au contraire le fidèle reflet de la beauté de son être. Guy était une âme noble et son œuvre, si vous la lisez, vous vous en pénétrerez, vous en oubliera. Alors voilà, j'ai partagé avec vous ce petit moment de mélancolie envieuse face à la vitalité d'un artiste qui a rapidement su se débarrasser de ses chaînes, ce qui est loin d'être mon cas, malheureusement.
Alors, je ne sais si ma petite confidence du dimanche aura en encouragé d'autres à persévérer dans le combat de la réalisation personnelle. Nous n'avons que nous, nous ne sommes que nous, et nous devons aller jusqu'au bout de nous-mêmes, quoi qu'il nous en coûte. Et pour ma part, le prix a déjà été extrêmement élevé. J'aimerais cesser d'être traumatisé. Merci, bonne journée.